Nous, on a récupéré la balle de la peur de Ouattara contre Ouattara. On a compris qu'aujourd'hui, Ouattara est un lâche, un pute. Ouattara est un, comment on appelle même, un foussard. Ouattara est un pusillanime. C'est un, quelqu'un qui a une question qui est groupe, il n'y a rien dedans. Donc, aujourd'hui, le RDA, ils ont compris. Et nous avons déjà compris. Donc, dans tous les deux cas, les gens ont compris que Ouattara ne parle pas parce qu'il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est ça que je vais vous expliquer. Dans le côté de la politique française qui a vraiment Ouattara par les armes, ça s'est mal passé. Oui, aujourd'hui, en fait, depuis longtemps, toutes les politiques ont été géopolitiques. Mais comme on était plus jeune, on s'en occupait pas. Aujourd'hui, dans la géopolitique en France, il y a deux tendances. Tout ce que vous entendez, les verts, les sages, c'est la comédie, mais il y a deux tendances. Comme partout dans le monde entier d'ailleurs. Ici, il y a vraiment deux tendances. Il y a la gauche et à la droite. Tous ceux qui sont centristes comme le Macron, tous ceux qui sont droite simple, droite, c'est des conneries. Il y a ceux qui sont typiquement nationalistes et il y a ceux qui ne le sont pas. Les autres mots là, les autres là, c'est des habillages. Centristes, des gaullistes, c'est des habillages. Il y a ceux qui sont nationalistes, c'est-à-dire qui se comportent comme des nationalistes, comme des gens qui sont jaloux de leur patrie, comme des gens qui sont jaloux de ce qu'ils sont. Et il y a ceux qui pensent que le monde aujourd'hui là doit laisser plus de place aux gens comme nous. Mais aux gens comme nous, comment? Aux gens comme nous, parce que nous allons abuser d'eux. C'est-à-dire, le clan des impérialistes françafricains et le clan des humanistes socialistes qui sont du monde entier. Donc ce combat aujourd'hui-là, qui a fait reculer Dramane Ouattara, pèse sur ces deux volets que je vous explique. Donc, à gauche, il a échoué. Je vais vous montrer un communiqué pour comprendre combien de fois la situation est grave en France. Nous, on subodore, on discute, mais c'est très grave. Le score de la droite, comment on appelle droite, quand même, droite quoi, de la droite radicale a fait tousser plus d'une personne en France. Et je vous prie. Nous, on le dit pour rire, pour subodorer, mais c'est un problème très grave. Ils ont pris ça au sérieux. Donc, si Ouattara a reculé, c'est parce que ses patrons ont pris le problème très, très au sérieux. Donc, ils n'ont même pas d'oreille pour l'écouter ou bien pour ses caprices. Non, non, non. Et je vais vous montrer le message. Regardez. Voilà. Très bien. Soyez attentifs, hein. Regardez. Regardez bien. D'abord, regardez ça. Je vais agrandir un peu. Regardez, c'est. Ceux qui connaissent, connaissent, hein. Voilà, je ne vais pas faire la propagande de ça. Moi, je vais faire la propagande du bolsonnisme. Regardez. Ceux qui connaissent, connaissent. Voilà, ça, c'est des louges franc-maçonniques. Hein? 2, 3, 4. Et là, ici, vous voyez la grande loge mixte. Regardez, hein. Regardez bien. Regardez ici. C'est écrit la grande loge mixte. Vous voyez? Regardez bien, ça là. C'est ça qu'il faut dire. La grande loge mixte. Regardez, c'est là. Voilà. Tout ça, c'est des loges franc-maçonniques. Grande loge mixte. Memphis. Regardez. Tout ça. Voilà. Toutes ces loges-là ont sorti un communiqué. Regardez ici. Regardez. Regardez. Signé par Guy Trichard, grand maître du Grand Orient de France. Signé par Sylvain Zéhi, grand maître de la Fédération Française de l'Ordre. Signé Bernard Descoqueux Suarez, grand maître de la Grande Loge Mixte. Christian Vienne, grand maître de la Grande Loge Mixte France. Jean-Jacques Moumidjan, Grande loge de la Grande Loge Mixte. Regardez, voilà le monsieur. Le message ici. Voilà, j'ai oublié le message. J'ai oublié le message. Pourquoi vous voyez l'importance de ce que Dramane n'est qu'un boy. Dramane ne décide rien. Dramane, il est comme parapluie. Il pleut et puis on le met pour se protéger, c'est tout. Voilà ce que ce communiqué de presse dit. Communiqué de, écoutez, communiqué de presse, c'est pas, ils n'ont pas caché. Or, avant, les gens parlaient qu'on parle de franc-maçonnerie, c'est un groupe de personnes. Non, ils ne se cachent pas. Ils ont dit communiqué de presse. Écoutez bien. Je vais tout lire, juste un bout. Appel à un sursaut pour une république fraternelle. Appel à un sursaut pour une république fraternelle. Pour le 13 juin 2024. Et on y va. Dimanche dernier, la France est rentrée dans une phase très inquiétante de son histoire. Avec l'imminence du retour de l'extrême droite au pouvoir. Dans 3 semaines, à l'occasion des élections législatives anticipées, le risque de voir la France rejoindre le rang
des sommes cohortes des gouvernements populistes. Écoutez, hein, le risque de voir la France dans le rang des sommes cohortes de gouvernements populistes nationalistes d'extrême droite n'aura jamais été aussi élevé cette fois-ci. C'est-à-dire, ça a déjà eu lieu avant. Mais cette fois-ci-là, ça a dépassé. C'est-à-dire, cette fois-ci-là, il risque de perdre la France pour le mettre dans la main de Marine Le Pen. Je vous explique pourquoi du côté gauche, on a reculé. Ensuite, les forces plus réactionnaires cherchent à s'entendre avec comme seule ambition, c'est de remettre en cause tous les fondamentaux de la philosophie des Lumières, source de progrès. Les forces dans cette année où nous commémorons la mémoire de ceux qui sont tombés pour notre liberté, des jougs nazis et au régime collaborationniste, les francs-maçons et les francs-maçons ne peuvent rester muets face au retour du bruit des bottes, des effets des mentons et de la milicienne. Fidèles et viscérales attachés à leur tradition humaniste, universaliste, les francs-maçons et les francs-maçons seront plus que jamais de ce combat essentiel, celui de la défense de la République fraternelle, car il ne faut plus seulement sonner l'alerte, mais agir. Agir sur le terrain, agir dans nos loges, agir en dehors des temples, agir, c'est aussi entendre la colère de celles et de ceux qui ont pu, par lassitude ou par désespoir, porter le 9 juin dernier leur suffrage sur les fossoyeurs de la République afin de convaincre que l'extrême droite est une impasse. Réunis hier au siège du Grand Orient de France, les obédiences maçonniques signataires lancent un appel solennel à la mobilisation de tous les francs-maçons, frères et sœurs, pour dire non à l'inéluctabilité de la victoire de l'extrême droite et de son idéologie de la haine. Les obédiences maçonniques exhortent tous les Français maçons à se rassembler le 18 juin à 18h00 à Paris et dans tous les Orients de France. Les francs-maçons résistants de tous les temps, l'hydre haineuse de l'extrême droite, fidèle aux idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, se lève déterminé à prendre part à la construction d'un espoir républicain pour tous. Signé ce que j'ai cité. Bref, camarades, c'est un message très important que je viens de vous lire. Demain matin, dès que je me lève, je pose ça sur mon mur. Communiqué de presse des francs-maçons. Depuis vous vivez là, depuis vous existez là, depuis à la politique dans le monde là, vous avez déjà bien communiqué des loges maçonniques. Vous avez déjà bien communiqué des sectes. Vous avez déjà vu. À part les trucs de Rotary ou autres, vous avez déjà entendu. Franc-maçon dit c'est jamais. C'est toujours. Il faut ça dans la semaine. Mais si ces personnes sont venues dehors là, on dit c'est quand l'eau est chaude que le poisson sort pour respirer. Ce n'est pas Ouattara qui fera le bébé gâté. Donc, le côté gauche, Ouattara a reculé parce que le vent souffle dans les fesses de ses patrons. Parce que dans l'eau, là, c'est chaud. Donc, personne n'a le temps de l'écouter. Personne n'a le temps de l'écouter bêler, de geindre, d'éructer, de pérorer, de jacasser. Personne n'a le temps. Comme il n'a pas pu avoir accès à cette permission de faire un quatrième mandat, il ne peut plus décider, il ne peut pas prendre l'initiative de décider quelque chose tant qu'ils n'ont pas donné le feu vert. Donc, Ouattara, il arrive hébété. La preuve, il court, il va, on dit, il y a discussion, je ne sais pas dans quelle ville, il s'en va, c'est Zelensky. Tous les gens qui sont venus partout dans le monde là, le modèle que Draman a trouvé, c'est Zelensky. C'est-à-dire zéro. Un mendiant hors pair, un mendiant professionnel, un mendiant étatique. C'est Zelensky, Ouattara va prendre photo et lui fièrement. Parce qu'il n'y a personne pour tout Ouattara. Et quand c'est comme ça, comme Ouattara sait que toute son image est buzz, tout ce qui fait Ouattara est maquillage, tout ce qui fait Ouattara est bruit, il a préféré prendre le tocard de la liste qui est Zelensky, juste pour se donner un genre, pour être sous les lumières. Parce qu'il sait que les gens vont bavarder. Et plus les gens parlent de Ouattara en buzz, Ouattara c'est ça dans la politique. Parce que, en mal ou en mauvais, il pense être heureux d'État. C'est pour ça qu'il a choisi le toka. Pourquoi Ouattara n'a pas porté une photo à Zelensky? C'est parce que c'est Zelensky aujourd'hui qui fait le buzz dans le monde. Et comme lui et sa femme, elle veut voir Ouattara, cette terroriste, cette Achao, cette Djandou là, ils n'ont pas de sujet d'attraction. Ils préfèrent aller se mettre à la lumière des autres. Donc, quand Ouattara va là-bas, je ne sais pas à Zelensky. Parce que Zelensky, c'est une de ses premières réunions. Hors de l'Europe ou je ne sais pas où. Et forcément, c'est là sur les projecteurs. Donc Ouattara vient se mettre à côté de lui pour être sous les projecteurs. Donc c'est ce que Ouattara a fait. Sinon, si Ouattara avait eu accès à ses patrons francs-maçons, à ses patrons france-africains, à ses patrons français, à ses patrons de l'OTAN, vous pensez que Ouattara allait venir s'asseoir là pour parler de ce qu'il a parlé là, qui n'a ni technique. Mais c'est parce que personne ne l'a écouté. Ils n'ont pas le temps. Ils ont leur propre problème. Donc à ce niveau, Ouattara a échoué. Maintenant, au niveau droite, l'avancée de la machine Babo.
Quand il voit qu'à gauche, il a échoué à se faire entendre, à se faire recevoir, à parler et avoir la permission de la France et de tout ce qui va avec comme relais pour tuer les Ivoiriens et dire au président que les candidats, parce qu'il avait déjà préparé l'opinion en allant envoyer les gens aller faire des hommages, il pensait que la signe, une fois qu'il avait vu soit Macron, soit je ne sais pas qui que ce soit, on avait le feu vert ou bien soit le triant, il serait venu là faire un discours guerrier pour dire les candidats, ils s'en foutent, comme il a fait pour tuer Gon Coulibaly. Mais comme personne ne l'a écouté, il n'a pas écouté. Les gens ont leur problème. Il a fanfaronné, il allait se mettre sous la lumière de Zelensky, juste pour qu'on le voit, sinon personne. Ils n'ont pas le temps, ils ont des problèmes. Donc ce communiqué que je viens de vous lire, que je vais mettre sur ma page après cette vidéo, est un communiqué inédit. Les francs-maçons, en tout cas moi je n'ai jamais vu sortir un communiqué officiel d'une marche, d'un rassemblement, d'une mobilisation. Je suis stupéfait. Regardez un monsieur comme Mbappé. Depuis que vous connaissez Mbappé, là, vous avez déjà vu Mbappé même appeler, sortir du cadre sportif pour parler des politiques. Mais Mbappé, tout simplement sorti pour dire il faut que les gens sortent. Vous comprenez le niveau de la gravité de la chose, le niveau du sérieux de la chose. Donc, dans ce cadre-là, qui a le temps d'écouter Ouattara? Un boy. Toi, tes grands amis viennent te visiter. Tu vas pourquoi être ton boy. Donc, Ouattara n'a pas eu d'audience. Ouattara n'a pas été considéré. Ouattara n'a même pas vu quelqu'un qui va essayer pour dire ouais, tu peux tuer les Ivoiriens. C'est pour ça que Ouattara n'a pas parlé. Ça, ça dit concerne ses maîtres. Mais là, pourquoi Ouattara, tantôt, comme je le disais avec Babou, pourquoi Ouattara n'a pas parlé? Parce que Babou retourne contre Ouattara. C'est que Ouattara a fait à Babou avec Nicolas Sarkozy. Mais cette fois-ci, à la différence, ce n'est plus les armes. Puisque Babou, c'est un homme non violent. Babou, la force de Babou, c'est qu'il fait un travail psychologique. Ça là, si ça t'atteint, il n'y a pas son médicament. Ouattara lui fait un travail avec les armes, il te tue. Mais Babou, il peut te tuer avec ta psychologie. C'est-à-dire quand il te parle, tu es diable, tu es tué, mais tu es mort. Donc l'arme de Babou, comme il ne peut pas toucher l'arme de Babou. Et l'Occident a peur. Parce que Babou sera le premier France-Africain sans armes à s'imposer. Je répète, Babou sera le premier France-Africain sans armes à s'imposer. Dans notre ère, je ne parle pas des autres, hein. Il y a eu les Kwame Nkrumah, tout ça, il y en a eu leur idéologie. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'est avec les armes et les autres. Je ne parle pas de l'Olympio, non, je ne parle pas d'eux. Je parle de notre époque. Babou sera le premier France-Africain. Pardon, attends, pourquoi? Oh, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, hein. Le premier Pan-Africain. Babou sera le premier Pan-Africain à s'imposer sans les armes. Puisque les autres ont eu besoin de prendre les armes pour imposer leurs idées. Par exemple, les gens de l'AS. Mais Babou sera le premier civil, politique, politicien à imposer la souveraineté, à imposer la libération totale de l'Afrique. Babou sera le premier à le faire. Le premier vous voulait faire la l'autorité communiste, ils ont voulu le tuer. Mais Babou sera le premier à le faire. Donc, de façon politique, Babou est un candidat plus sérieux que Ibrahim Traoré du Burkina, que Assimi Goïta du Mali, que Gérard Tchani du Niger. Babou est un politique fait, un homme, un civil. Donc, ils n'auront aucun argument de pousser encore Babou, qu'ils ont déjà arrêté une fois avec les armes, qu'ils ont jugé, à le reclure, à le pousser jusqu'à à sortir du combat. Ils n'auront aucun argument. Donc, Babou est l'adversaire le plus redoutable, parce que fils du système, puisque Babou était national-socialiste. Donc, il avait des affinités avec les Français, avec lesquels ils ont fait la politique. C'est là que par la francophilie, Babou est francophile. La francophilie du président Babou. Et un peu souvent, les gens confondent avec non, Babou a financé Chirac. Ils ne savent pas que Babou est un artiste politique. Babou est un artiste de la politique. Babou, quand il peint une action en politique, ça reste à vie comme Picasso. Babou est le Picasso de la politique ivoirienne. Donc, camarades, quand je vous explique ça, Ouattara observe l'avancée et la montée de la mobilisation du PPACI. Ouattara observe l'avancée et la mobilisation du PPACI. Le PPACI est inarrêtable. Le PPACI anime la politique dans l'opposition. Le PPACI s'exprime. Le PPACI va au front. Ils sont dans tous les médias. Ils ont des cyberactivistes partout. Ils ont des adeptes partout. La communication, la toile. Or, on leur a enlevé la RPI. On leur a enlevé les médias de vérité. Tous les médias qui parlent de façon mensongère. Il n'y a que la toile qui les a mis là. Où Dramane Ouattara même a été obligé de faire une loi pour qu'on la ferme. Parce qu'ils n'arrivent pas. La machine de la communication de l'opposition est trop grande. Ils ont pris article 185 pour les contrats de la CTR. Ils pensaient qu'en allant prendre article sur les terrains, non, pour dire non, maintenant, si un terrain villageois. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de ça parce que c'est la comédie. On ne tue pas, c'est pas par la queue, c'est par la tête. Le jour où Ouattara va tomber là, tous ceux qui sont en train de faire non, pour prendre ton terrain, il faut aller. Ça, c'est des sujets aléatoires. Pardon. Ça, c'est des sujets de dernière zone. Le sujet numéro un, le premier sujet, c'est le départ
de Thérus Hassan Ouattara, qui est la préface du système. Ouattara n'est même pas la fin, la préface du système. Le sujet, la tête du serpent, c'est ça. Donc les autres, non, ils ont cherché mes enfants à l'école, il a plu. Non, pourquoi le café a augmenté? Pourquoi le cacao? Pourquoi on n'a pas fait la route? Non, le marché a augmenté. Tout ça là, c'est des sujets à banaliser. Pourquoi? Parce que même si on change les prix de tout ça là, tous les Ivoiriens sont Ivoiriens, ils ne sont pas à l'aise de laisser que Ouattara est un criminel qui a le sang dans la main. Donc le premier point, c'est le départ de Thérus Hassan Ouattara. Il n'y a pas un plan A, il n'y a pas un plan B. Or, le plan Gbagbo, qui est un artiste politique, qui est le Picasso de la politique ivoirienne, le plan Gbagbo, qui est le Salomon de la politique ivoirienne, est en train de dompter le terrain. Et Ouattara a peur. Là où toutes ces chèvres, tous ces moutons, tous ces béliers, là où tous ces porcs, ces cocotiers, ces zombies sont dans la débandade. Quelque chose est. Si c'est pas comment on dit ça. Même si le président Babou donne l'amnistie, et tout le Mamadou, certainement Mamadou dit ça, le président Babou n'est pas. Le président n'est pas qualifié. La cacophonie dans le rang. Demain, on dit c'est Adama Bito qui va être président. Donc, vous voyez. C'est ces deux faces-là de l'Europe qui est en train de sortir de la main des francs-maçons, pour aller chez les vrais nationalistes, et du plan Laurent Gbagbo qui est en train d'avancer dans les sondages, dans l'admiration, à tel point que les gens ont commencé à se confesser. Voilà, je vous fais courir une confession. Une confession d'un grand homme que je salue. Mais cette confession vaut de l'or. Et je vous fais écouter cette confession. Cette confession vaut de l'or. De la part d'un monument aujourd'hui de la géopolitique africaine. Et je vous fais tout ça. Voilà. Je vous fais toute cette confession. Ah, vous avez raté ce truc. Excusez-moi. Je vous fais toute cette confession, vous allez l'apprécier. Le Babou, c'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Tac, 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 excusez-moi, je change chez ça et là. Voilà. Écoutez ça, écoutez bien. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leur reportage et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bon. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse africaine doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo. En tout cas, dans notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à ce pays. Est-ce que vous avez compris? Gbagbo dérange. Le rideau noir sur Gbagbo est dessiné. Sa lumière est sortie. C'est le président du Burkina aujourd'hui qui dit: éloignez-vous des médias mensonges. C'est la manipulation. Allez loin, désabonnez-vous de leur page. Ils nous ont manipulés depuis longtemps. Ils nous ont trahis. Nos guerres africaines partout. En un mot, c'est ce que ça veut dire. D'ailleurs, il y a un exemple. Laurent Gbagbo. Notre génération. Il dit notre génération, on a détesté Gbagbo. Leur génération, où ils sont là. Et ça fait combien de temps d'armée il fait? C'est-à-dire, si ce monsieur a 15 ans d'armée, ça veut dire que, comme il détestait Gbagbo, il était prêt à prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il a pris les armes contre la Côte d'Ivoire. Comme leur génération détestait Gbagbo, ça veut dire que beaucoup de jeunes comme eux, comme lui, dans l'armée, dans le temps, détestaient Gbagbo. Si lui, Burkinabé, président, il dit, dans notre temps, cette communication nous a fait détester Gbagbo, ça veut dire que sa génération, dans le temps-là, on peut même prendre les armes contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est pas un secret professionnel. La guerre qu'il y a eu, la rébellion de la Côte d'Ivoire, qui a divisé la Côte d'Ivoire, est partie du Burkina Faso. Donc, c'est l'armée complémentaire, l'armée complète, l'armée officielle du Burkina Faso, qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire, aidée par la sous-région. Blaise Compaoré, quand il est venu à la Côte d'Ivoire, les soldats burkinabés. Donc, si Ibé dit, se confesse, fait son meilleur culpa aujourd'hui parce qu'il a compris. Et il a besoin qu'il a compris le message pour dire, si on était comme ça, on était là-bas. Les gens ont usé les réseaux, les médias. Si aujourd'hui, les Français vilipendent et mentent sur le Burkina, c'est pour que vous, les journalistes, vous puissiez tomber dans le piège. Donc, c'est pour ça qu'il fait cet enseignement et je vous demande d'écouter encore. Il dédouane Gbagbo. Donc, c'est tout ça qui concourt à ce que Gbagbo soit le plus dangereux politique contre le système. Parce que Ibrahim, c'est un jeune, il est militaire, il a pris les armes. Assimi Goïta, c'est un jeune, il a militaire, il a pris les armes. José Tchani, c'est un doyen, il est militaire, il a pris les armes. Pour pouvoir s'exprimer, Gbagbo, non seulement il a eu le pouvoir, il a combattu le président Oufouboigny dans tous ses sous-systèmes, dans tous ses rouages. Il est venu au pouvoir contre tous ces systèmes, contre tous ces lois. C'est tout le monde entier qui l'a enlevé du pouvoir. Ils sont allés l'enfermer, il est sorti, il est venu.
Et il vient, il fait des discours, il dit, ce qu'elle lui disait hier, là, c'est ce que les enfants disent aujourd'hui. Hier même, il s'est méfié parce que personne ne pouvait parler. Aujourd'hui, là, il faut comprendre pourquoi les gens ont fait le coup d'État. Le président Babou est en phase avec ces jeunes-là. Parce qu'il dit, et il est dangereux parce qu'il n'a pas pris des armes. Et il va prendre un système démocratiquement de facto. Ça va diviser l'opinion internationale si Babou devient encore président. Parce qu'il faut justifier pourquoi vous l'avez arrêté la première fois. Il faut justifier qui est le responsable de la guerre. Il faut justifier si Babou est revenu, il a gagné. C'est que Babou avait déjà gagné. Donc si Babou avait déjà gagné, qui a envoyé la guerre? C'est beaucoup de questions qu'aujourd'hui, Thierry Ouattara a reculé le 18 juin. Et c'est ça que Ibé traduit ici. Hier, ils nous ont manipulé. Ils ont manipulé comment? Je répète, on va écouter encore. Ibé. Pardon, il faut répéter, hein. Ils vont écouter. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leur reportage et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien, ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse africaine doit avoir compris, c'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, dans notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Ils prennent toujours une information. Ce n'est pas sérieux, mon président, ce n'est pas sérieux. Donc voilà. Donc camarades, j'espère à ma manière avoir essayé de vous expliquer pourquoi le terroriste Thierry Ouattara a reculé. Il a reculé pour deux choses. La première des choses, c'est la politique française, la situation actuelle, l'avancée des amis de Poutine. Parce que Marine Le Pen, c'est pas un secret pour tout le monde, est plus proche de Poutine que de Emmanuel Macron. À droite, c'est l'avancée du phénomène Babou qui a fait reculer Ouattara. Pourtant, les Ivoiriens ne sont pas armés, ils n'ont rien. Mais Ouattara compte leur main vide là, dans sa politique, parce que il sait que hier, il est parti en Europe, personne ne l'a écouté. Les gens sont stressés, les gens se battent. Jusqu'à ce que les francs-maçons sortent un communiqué. Et le communiqué, je l'ai lu dans mon avis. Et je vais lui poser sur mon mur. Si les francs-maçons, je vais sortir un communiqué. Si les gens comme Mbappé, qui sont jeunes, qui ont leur carrière, laissent pour venir faire la politique pour dire, allez voter, vous comprenez que le problème, il est sérieux. Donc, quand la France est un problème sérieux, c'est qui Ouattara pour qu'on lui tende une oreille pour ses caprices? Ce n'est personne. Donc Ouattara n'a pas eu d'audience, Ouattara n'a même pas eu le temps même de voir quelqu'un pour pouvoir signer pour dire qu'il va faire la guerre à Côte d'Ivoire. Donc il est obligé de faire marche arrière. À Côte d'Ivoire aussi, la pression du Babou, la pression des Ivoiriens, la pression de son échec est arrivée à un niveau où il ne peut pas s'amuser à faire la grande gueule comme il a pu le faire. Camarades, voilà pourquoi le terroriste Alassane Thierry Ouattara a reculé. Donc je vous demande d'être toujours mobilisé, galvanisé. Je vous ai dit, je le dis, nous allons passer à notre phase très bientôt de la tontine du 6-9, pour pousser tout Ivoirien capable de dire non à Alassane Ouattara, quelle que soit la chaleur de ses armes, ces Ivoiriens-là, nous allons les soutenir. Et moi, je dis et je le répète, si jusqu'en septembre 2025, nous sommes en statu quo, moi aussi, je vais aller là-bas. Au moins, je vais tomber avec un FDF qui comprenne que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara, ni à la France. Que les anciens vous bénissent. Je suis Kousmane Nkolo, et tu es au coup. Adieu pour ton dire.